The Languedoc remains the most underrated of the world's great vineyards. This magnificent land, both wild and serene, stretches between sea and mountains. The wind and the sun have shaped it, and the vine has been growing here since antiquity. The region was made for vines. Between garrigue and olive trees, on red soil, on limestone and on kist, they have always reigned supreme. Today, the Languedoc vineyards alone account for 5% of the world's wine production, and for a long time, they were the country's largest supplier of wine. But this abundance has been to its detriment. The reputation of Languedoc wine has declined as consumers drink less but better. Also, many children of grape growers preferred to live another destiny than that of their parents. Son and grandson of growers, the young Jean-Claude Mas left in his late teens to discover the world and the opportunities it offered. But after 20 years of a rich and successful life, the return to his roots and to the land was the strongest. Transformed by his new experiences, he has brought to the wines of the Languedoc an uncommon strength of conviction and inventiveness. Thierry de Sauve, co-author of the Bitanen de Sauve Guide, wanted to know more. J'ai longtemps suivi son développement en m'amusant de ses trouvailles marketing, et puis j'ai dégusté ses vins, et j'ai vu que je n'étais pas le seul à apprécier ses syrahs aux fruits mûrs et juteux. Dans les concours où les consommateurs jugent les vins, ceux de Jean-Claude Mas trustent les récompenses. Il était temps d'en savoir plus. Salut mon vieux. Salut. Voilà, t'es c'est pas le toi, bienvenue par Mac. Bienvenue, salut, bienvenue ça Thierry, va ouais. Ça va, voilà Socrate. Oh. C'est le savant de la famille. Il y a Mac, il y a moi. Ouais, c'est le sage, Mac. Voilà. Mac, il est et un tu peu vois, plus... les chiens font partie de... Sur la plupart des sites, j'ai des chiens. Voilà, parce que j'aime bien les chiens. Et t'as beaucoup de sites, donc t'as beaucoup voilà. De chiens. Donc j'ai beaucoup de chiens. Tu vois ici, c'est la demeure familiale. On était deux familles, voire trois et mes grands-parents, jusqu'à ce que moi je revienne et que j'habite avec mes parents ici, que je recommence un peu à tout rénover. Oui, là, toi, tu as fait un grand break entre ton enfance. Ouais, de 18 à 35 ans, j'étais pas là. Hein. Voilà. Tiens, on va s'asseoir. Je te montrerai comment peuvent être reposants. Des escaliers. Mais surtout, c'est des escaliers qui ont de la mémoire. 16e siècle, tu te rends compte. Il faut imaginer, cette maison à l'époque, c'était pas de tout confort. Il n'y a pas de véritable salle de bain, il y avait des salles d'eau, il n'y avait pas de chauffage central, donc il faisait froid. J'ai eu la chance d'être poussé par des grands-parents qui ont dit t'es pas trop mauvais à l'école, donc tu resteras pas à la ferme. Jean-Claude Mas has indeed had quite a career, leaving the family home as soon as he had his baccalaureate. He did brilliant business studies in Nancy, and then in London, and then left to work in Miami, Costa Rica, Paris, and Bordeaux. When he came back, 18 years later, it was with a little nostalgia and a lot of drive. Je pense que le monde agricole, le monde du vin, le monde, notre monde ici quand même, on vit une région qui est exceptionnelle. Les couleurs, ça marque, et surtout quand on a grandi dans cette ambiance, les meilleurs souvenirs que j'ai d'ici, c'est l'époque des vendanges. Alors il y avait plusieurs choses, il y avait les vendangeurs qui revenaient dans les bennes en chantant des chants du sud de l'Espagne, pendant le repas qui se mettaient à taper sur le plancher, ça résonnait, c'était fabuleux. Et après, les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes, ah ouais. Les tartes aux pommes à la fin du vendange. Parce que tu sais, on avait aussi les pommiers. C'est pour ça que tu fais toujours des pommiers aussi. Et c'est la nostalgie. Je m'aperçois que, en fait, tout ce qui me touche de plus en plus, c'est des choses qui sont gravées dans mon enfance. Dans ta mémoire. Ouais. Et alors, ça, c'est de la nostalgie.
Ouais. Mais quand tu es revenu en Languedoc, c'était aussi pour changer beaucoup de choses, notamment la conception du vin et, et de ce métier. Alors, il faut voir que j'ai une formation de marketeur, de communicant. Ouais. C'est presque un gros mot. Oui, non, c'est pour ça. Ne dites pas à ma mère que je suis de la communication, elle me croit pianiste dans un bordel. Mais bon, je l'assume. Et je suis revenu. Surtout parce que je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici, parce que j'avais goûté ces vins en 89 à Miami. C'était un Fica Flickman d'Argentine. Et après, il y en a un autre dont je ne me souviens pas. J'ai dit, mais c'est bon, ils arrivent à les vendre. Et il y a tout un monde autour de ça. Et quand les gens, quand tu dis que tu viens du Midi, que tes parents des vignes, tout le monde s'extasie, te dit, hey, on peut goûter ton vin. Et là, il y a un truc que je ne comprenais pas, parce que moi, le vin ici, c'était... Le tonneau, on va chercher le tonneau, avec une moitié d'eau. Et le dimanche, on buvait une bouteille cachetée, on pouvait venir. Oui. Il y avait Saint-Christol à l'époque qui était pas mal. Donc, si tu veux, je n'avais pas cette approche noble du vin, noble, cette approche vraiment du vin, on va dire, ni noble, ni. Mais la vraie approche du vin, l'approche via mon grand-père dans les Cévennes. Il avait sa vigne de Pinot, il faisait son vin, c'était du vinaigre. Mais et le mien aussi. Et bon, j'avais pas. Et mes expériences à travers le monde, en Angleterre pendant mon MBA, les Wine and Cheese Party après ouais. à 9, 10 ans. Tout ça m'a appris la culture du vin. Tout ça m'a appris la culture la du vin. La civilisation du vin. Ouais. Voilà. Et 92, 93, la rencontre avec Giorgio Gray. Là, qui me fait voir la grande Italie du vin. Giorgio Gray is a monument of the Italian wine world. Recently deceased, this outstanding winemaker and taster was a renowned producer and consultant. With him, the polyglot Jean Codemas discovers a wine art of living that will build and enrich his experience as a grower. Je suis parti du verre, en fait, et petit à petit, j'ai dû remonter toutes les étapes jusqu'à l'origine, la vigne. Et la vigne, j'avais cette grande chance d'y avoir vécu dans les vignes. D'avoir écouté mon père, même si ça me fatiguait, d'avoir ramassé, vendangé, d'avoir attaché après la taille, récolté les raisins de table. J'avais ce goût et en remontant, je me suis aperçu que j'avais au fond de moi cette sensibilité de l'environnement viticole, de l'environnement de la vigne, et qui me fait aujourd'hui la comprendre très bien. Et j'ai développé une intuition, on va dire, qui est le fruit de beaucoup d'années à interaction avec cet environnement-là. How did he transform the bigger red into a grand cru, turn a forgotten land into a recognized terroir? How did he create a style that is both universal and unique? How did he rebuild the invisible but strong link between a man and his land? It is this incredible adventure that we are going to tell you about.